principe est que ça doit obligatoirement être quelque chose qui est libre de droit. Oui, et c'est plus une volonté de diffuser une sorte d'état d'esprit que le côté pratique, que c'est libre de droit, du coup on n'est pas emmerdé avec le droit, etc. Ouais. Mais voilà, c'était une idée. Mettre en valeur les artistes. Comme la plupart des choses qui se passent au Panto, on papote avec une équipe et tout d'un coup, ah, on pourrait faire une radio. Ah ouais, ben là, on fait. Et puis deux semaines après, on a une radio parce qu'on a bidouillé avec deux bouts d'ordinateur et puis des programmes libres qu'on peut trouver sur le net et pouf, on fait une radio. Okay. Après, on se dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on y met? On invite tout notre cercle d'artistes à nous envoyer de la musique libre s'ils en ont. Et puis après deux semaines, ben, on a un millier de morceaux à disposition qui sont, ben, si tu écoutes Radio Pan, tu ne vas entendre que des trucs que tu n'as jamais entendus, en fait. Et ça, moi, c'est vraiment le truc qui m'a frappé. Je m'en suis tapé pendant un mois au début, tu vois. Et puis... Pas une fois, tu avais déjà entendu un truc. Ouais, tout d'un coup... T'as un univers musical qui est complètement nouveau et qui te fait voyager. À chaque morceau, c'est ping, ah tiens, ça me fait... je sais pas comment expliquer le truc, mais c'est un peu... c'est des sons... Alors ça vient des quatre coins du monde, évidemment, parce qu'il y a des choses qu'on a été pompées sur des sites qui proposent de la musique libre, et puis l'autre moitié, je dirais, l'autre moitié, c'est des trucs qui nous sont offerts. On ne fait pas de sélection de style, on ne calcule non plus pas dans quel ordre ça va passer, c'est juste du random. Donc tu as un machin classique qui va suivre d'un machin ultra punk, d'un machin électro-contemporain, expérimental, un petit concert enregistré ici, et ça fait une espèce de gros mix. Tu te dis mais ça va être juste inaudible à n'importe quoi. Et puis en fait, ça fait vraiment un voyage à chaque fois. À chaque fois, je me dis, waouh, putain, comment on a fait pour faire un truc qui a une logique aussi bien. Ah, ben c'est le hasard, quoi. Bon, après, évidemment, nous, on sélectionne un peu la quantité de morceaux, et puis on essaye d'équilibrer tout ça, mais c'est un peu un jeu avec qu'est-ce qu'on met dans le random, et puis ça donne un truc, quoi. Autre chose que de la musique sur Radio Pan, vous faites des interviews peut-être avec les résidents? Ouais, alors ça arrive spontanément, s'il y a une équipe qui a envie, quand il y a un concert un soir, soit d'enregistrer le concert, soit d'aller se balader avec le micro, soit un après-midi, on a une équipe de résidents qui ont un moment et puis qui ont envie de parler de ce qu'ils font, alors boum, boum, on fait un petit live, et puis voilà. On a été très vite au début en voulant faire des émissions régules et tout, et puis bah, tu nous demandais avant comment on fait pour ne pas s'épuiser. Après un mois, on était là, tous les jours, tous les soirs, l'émission, le truc. On faisait une espèce de chronique de presse comme ça, et puis il fallait la préparer. Et puis après un mois, on était sur les rotules, quoi. On a dit, on va se calmer tout de suite. Calmer le jeu, et puis on va laisser cette radio venir avec ce qu'on vit. Et là, on fait le mardi radio. En théorie, ça veut dire que s'il y a des gens qui sont motivés à faire quelque chose à cette radio, ils sont bienvenus le mardi. Et puis on fait, quoi. Des semaines, il n'y a absolument personne. Et puis nous, on fait autre chose. Et puis certaines semaines, on se retrouve à 3-4. Et puis on fait une émission, un truc, quoi.